Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va motobiner le jardin. Donc avec cette motobineuse là, une motobineuse Kawasaki. Alors désolé pour le contre-jour, parce qu'il y a une espèce de contre-jour là. Voilà, donc aussi je voulais vous dire un grand merci pour les 55 abonnés là sur la chaîne. C'est vraiment super. Donc voici donc voilà la machine. Donc Kawasaki FA 210-30, 210D. Enfin, c'est le moteur quoi, c'est pas la motobineuse je pense, mais. Voilà, donc c'est une bonne motobineuse, hein. Motobineuse qui sert très très peu, elle sert une fois dans l'année pour motobiner le jardin. Voilà, donc elle est assez grosse quand même, c'est pas une toute petite. Voilà, le pont, les fraises, là. Le lanceur. Voilà, donc c'est un moteur très très fiable, hein. Kawasaki de toute façon c'est réputé, hein. En Kawasaki j'adore. Donc là on a le pot, alors le pot il avait été changé parce que déjà comme vous voyez il est tout rouillé. Et là il y avait plus que la cartouche là en fait. Donc toute la cartouche était partie. Donc j'avais changé ça. Là pour faire la vidéo j'ai changé la courroie. C'est une courroie comme ça. Bon c'est pas la courroie d'origine, la courroie d'origine c'est une comme ça. Mais on voit comment elle est craquelée quoi. C'est tout partout. Hein. Donc j'ai préféré la changer, pas qu'elle me saute à la gueule. Donc voilà, donc ici on a l'accélérateur qui est pas d'origine. Voilà. Là ici en fait de base c'est ici. Avec l'espèce de régulateur qui doit avoir ici là. Du coup, pas tout le temps tourner à fond. Ici, on a la manette pour avancer. Donc, hop, on tire, on enclenche. Mais là, il doit manquer un cache pour la courroie, je pense. Voilà. Donc là, j'ai regardé le niveau d'huile parce qu'elle a pas tourné depuis. On peut dire peut-être un an. Ouais. Facile enfin, si, un an, je pense. Hein. Parce que la dernière fois qu'on s'en est utilisé, c'était début. Ouais, printemps, moins du printemps quoi. Voilà, donc ici on a un autre régulateur manuel là, on peut voir, ça bouge. Voilà, donc starter ici. Voilà, donc j'ai remis de l'essence fraîche. Donc alors moi j'hiverne jamais mes machines. Hein. C'est pas. Je préfère les démarrer de temps en temps, c'est mieux je trouve. Parce qu'après les membranes, des fois j'ai eu le problème, les membranes elles sont toutes dures après. Faut remettre de l'essence, oh, c'est tout un bordel. Donc là j'essaie de vous la démarrer en espérant que ça démarre hein, parce que alors je règle ça. Ouais, j'espère vraiment qu'elle va démarrer. Bon là il faudrait plus un motoculteur mais après le problème c'est avec des petits chemins autour du jardin et ça passe pas. Donc on a que ça. Et celle-ci je l'avais payé 20 €. La motobineuse, donc c'est pas cher franchement. Et le monsieur dans son jardin avait une Eco CS3000. Une CS3000, pareil. Il me dit, oh bah elle ne marche pas, je la fous à la poubelle. Je la récupère, je mets le filtre à air, comme neuf. Donc pour 20 € le tout c'est pas cher. Donc on met le starter, on met un peu de gaz, et on tire. Là, il va falloir jouer avec le starter. Là-bas.
Voilà là, donc la coupée. Ouais, donc là c'est quand même dur. Hein. Parce que le problème on a pas de motoculteur, donc c'est assez compliqué. Donc je vais finir tout ça hors vidéo. Sans ça me prendre trop de temps. Donc ça m'anime largement bien. Hein. Il fume pas en plus, donc ça c'est cool. Bon après il y aura un bon nettoyage à faire. Hein. Je vais m'en occuper aussi et comme ma mère a fait du sablage, je vais sabler tout le cadre. Sabler et faire une belle peinture. Je sais pas encore quelle couleur, peut-être en rouge. Voilà, et vidange du pont aussi, j'ai à faire. Ouais, donc il me reste tout ça à faire. Hein. C'est un deuxième pour le contre-jour. Voilà, tout ça à faire, donc ça va me prendre du temps. Bon, bah on se dit à la prochaine et abonnez-vous. Allez, salut!